Bonjour tout le monde. Étape numéro où c'est que j'en suis? Étape numéro 14. En admettant que comme moi, vous n'ayez rien mis ici et là, ou que vous ayez mis une simple petite pochette, vous allez pareil, comme sur la couverture, découper un papier de scrap de 15,5 par de scrap. Un papier uni. Donc, pas obligatoirement épais, hein. Un papier uni de 15,5 par 15,5, puis votre papier de scrap de 15 par 15 qui n'a pas besoin d'être découpé. Vous ancrez tout ce qui a besoin d'ancrer, vous collez là. Vous faites la même chose ici. Si vous avez fait une pochette, on va imaginer que c'est ici. Simplement, le papier se glisse, vous le collez, le papier se glisse dans la pochette et se colle de la même manière. Et après, suivant la taille de pochette que vous avez fait ici, vous mesurez la dimension de votre pochette, vous enlevez 5 mm sur la largeur, 5 mm sur la longueur. Ça vous détermine la taille de votre morceau de scrap que vous collez sur votre pochette. Et puis, vous décorez maintenant ou plus tard. Voilà. Donc, je répète, papier ivoire, dans mon cas, hein, de 15,5 par 15,5 et papier de scrap de 15 par 15. Je ne les ai pas préparés. Ça fera une vidéo très courte. Et puis, je vous l'ai déjà montré juste hier sur la couverture. C'est exactement la même chose sans le ruban. Donc, vous n'avez pas besoin que je vous le fasse. Si vraiment vous avez besoin que je vous le fasse un jour, vous me le dites, hein, que je vais trop vite. Voilà, bisous, à la prochaine.